unis. Bon, pour que les gens soient unis, et c'est dans la division et la terre. Il demande, il faut qu'il n'y ait pas de division. Il faudrait que ces gens puissent parler d'un même langage. Si vous voyez quelqu'un, un membre de l'église, qui te parle de choses qui sont contraires à ton église, sache que ça, celui-là est l'ennemi de ton église. Yeba ete wana azali bongo monguna ya eglise na yo. Alléluia. Amen. Donc il faut toujours, battons yo sala bango, les membres de l'église parlent le bien de votre église. Mingi penza te baka ete les gens bato o bazali bongo na libongo ningoba na bino baloba kase malamo na libomba. Alléluia, c'est très important. Amen. Paul a lobby, division la carte n'abîme qu'au niveau salaté. Paul déclare que la division ne doit pas demeurer en vous. Mais il faut vous aller parfaite, pour vous aller parfaitement quoi, unis. Et vous devez chercher à être parfaitement unis. Unité, c'est très important. Kozala na bomoko ezali motu ya mingi. Il y a une force dans l'unité. Ezali bongo na nguya makasi na kati na yango. Là c'est bato basa unis à loi bombe go beta makasi. Et si Kabato Bazali n'a pas moko, c'est un lieu où, que, quelque part en comparaison, il peut y avoir une genre de bombe qui va éclater. Et puis on va dire c'est où, mais c'est un niveau. Makamon Zamba Bando Sai la Bisou A en 4 églises. Et Bando Kamusa Bakaniba, d'après Kamusa Bango déjà. Et tu remarqueras que les choses que Dieu fera dans cette église, ça va étonner les gens qui sont en dehors. Mais déjà, ils sont étonnés de voir ce qui se réalise dans l'église, même s'ils ne croient pas. Et Dieu continuera toujours à agir. Pourquoi? Pour que ces gens puissent toujours être dans l'étonnement. Pourquoi? Juste parce qu'il y a l'union, l'unité parfaite dans cette église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un mot pour la gloire de Dieu? On va lancer pour la gloire de Dieu la main, s'il vous plaît. Deus est jaloufad. Amen. Colossiens, chapitre 2, verset 1 à 3. Colossiens, chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toujours c'est Paul qui parle. Kaka Thomas Paul ou Azali Koloba. Je vais en effet. Que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et là, Paul a dit que nous avons dit que et puis Abengiango un grand combat. Mais Abengiango bitumba moko ya motu ya penza. Oh, il a son soutenir pour Nabiso. Que lui, il est en train de mener pour notre cause. Mais Abakisa lobi est pour ceux qui n'ont plutôt et pour ceux qui sont à Laodicée. Et il ajoute en parlant de l'église d'Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Et les amis comme on la paix, bah oh, mes amis, mon église à la Odyssée, paix, bah oh, nous sommes moni et longinangaité. Donc Paul a zolo ma camboyo, na bateau ya na Colossiens, paix a zolo ba pour na bateau ba na la Odyssée, paix a zolo ba na bateau ba moni et longinangaité. Yo moni le Paul. Paul déclare ces choses pour les gens qui sont, pour les Colossiens, pour ceux qui sont de l'église de la Odyssée, ainsi que pour ceux, tous ceux qui n'ont pas vu sa figure. Est-ce que tu as déjà vu la figure? Grand soliste, naïf le robe d'Isa, convoite bateau soliste. Solo. Frère Douglas, le grand soliste. Solo, hein. Tu joues à la guitare solo ou accompagnement? D'accord. Paul. Est-ce que tu as déjà vu Paul? Paul, Paul déclare ces choses pour les Colossiens, pour les membres de l'église de Laodicée et pour tous ceux qui ne le connaissent pas de visage. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes concernés par cette parole. Il dit, vous avez un grand combat. Et même vous qui ne le connaissez pas de visage. Et, verset 2, et au verset 2, il est écrit enfin qu'il ait lequel rempli de consolation. Qu'il soit uni dans l'amour. Qu'il soit uni dans l'amour. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ.